Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Far Cry Primal. Alors, je pense que c'est l'épisode 4, mais je peux pas le certifier. Alors, on va continuer, hein. Qu'est-ce qu'on devait faire? Un peu perdu. Nous sommes ici. Parler à Seyla, c'était ça. On va ouvrir la cage de récompense avec des silex, la nourriture, mais notre sac est totalement plein. On va aller parler à Sayla. Ouais. Il est où Sayla? Elle est là? Elle est là. Salut. Salut Nounou. Bêtes suivent tes ordres. Bientôt Wenja viendront voir maître des bêtes. Devons construire abri. Dire que Wenja vive ici. Construisez votre village. Alors, votre village est un refuge pour les Wenja. Améliorer les huttes pour débloquer les compétences des armes et bien plus. Vous trouverez des ressources pour construire des huttes dans toutes les terres d'Oros. Appuyez sur pavé tactile et consultez le menu village et sac pour en savoir plus. Après avoir rassemblé suffisamment de ressources, allez au village et cherchez des huttes améliorables. Ok. What? Alors, hutte de Sayla, amélioration 0 sur 2, récompense d'amélioration 1, mission pour Sayla, la cueilleuse, compétence de cueilleur, camouflage, inifuge et recette stimulante vitesse. Objet gratuit dans votre cache jusqu'à 5 chaque jour. Hein, objet gratuit dans votre cache chaque jour et 1500 d'XP. Eh bien, on va améliorer. Hein. On avait de la peau de cerf, ça tombe bien. J'ai bien fait de perdre du temps à chasser le caribou. Elle est contente, hein. On a fait une belle petite maison. De Sayla. Améliorer, récompense. Accepter. D'accord. Bois d'aulne, de l'ardoise, du roseau, de la peau de mammouth 4 et population 40. Ça va être plus compliqué. Compétence plus une. Merci. Ah, là, il y a quelque chose. Découverte de ressources, le bois, la pierre... apparaissent sur votre mini carte. Ah. Terrain révélé. Ça, c'est pas cool par contre. Il me faut encore un point de compétence pour pouvoir faire la suite. Enfin, voir un peu mieux les compétences. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Érable du sud, bois dur, feuille jaune du nord. Moi, la question c'est pourquoi il y a des choses comme ça qui sont sur ma carte. Ah, ce serait pour les maisons? Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. Grotte de Takar disponible, amélioration 0 sur 2, récompense, compétence de survie, amélioration d'arc, amélioration du gourdin, bombe à piquant et 1500 d'XP. Je le prends. J'ai bien fait de farmer un peu, hein. Voilà, grotte de Takar améliorée. Donc on a eu 1500 d'XP qui va nous faire un point de compétence et qui va nous faire trouver plus de bois, de pierre, à chaque récolte. Non. Découverte de ressources. Ça, c'est cool. Ouais. Et après des peçages. Oui, donc ça va être l'amélioration. Chance de trouver. Ok. Voilà. Ouvrir la cache. Ouvrir la cache aux oiseaux. Non. Alors. On va aller voir. Vous pouvez vérifier votre progression dans votre grotte. Eh? Dans votre grotte personnelle. C'est quoi? C'est où? Là, je suis un peu perdu, hein. Parce qu'entre toutes les choses à débloquer, à... Je vais aller courir là-bas, c'est quoi? Quoi, ce serait encore une maison, là? Non, on est loin, hein. Ok. On va lui parler, hein. Oui, oui, vive énergie, bonne terre pour Wenja, mais il manque. Une sacrée, d'accord. Bon, on va t'en faire une. T'inquiète.
Ah, attendez. Voilà, amélioré. Hutte de Tensei. Un peu d'XP, encore. Dakar. Voilà, 1500 d'XP, mission pour Tensei, compétence de chaman et 1500 d'XP en prime. Ok, nouveau villageois, plus 2, population 12, compétence, on... 2 points de compétence, ok. Prospection, trouve plus de bois, de pierres, de roseaux à chaque récolte. Bon, ça me paraît honnête. Apprivoiser, les félins sont apprivoisables. Léopard, jaguar, jaguar noir, waouh. Jaguar noir, waouh. Lion des cavernes et lion noir. Ouais. Vision de chasseur, maintenir 3 pour votre chouette se servent de la vision de chasseur. On va d'abord faire la prospection, ça m'a l'air super important. Voilà. Parlez à Sayla. Eh, ok. Et moi, ma cache à moi, elle est où? Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Nu, aquí está. Mi janha sabuasham. Chaja marwa udam waidam. Si shau sinacham. Si warja wa. Ti. Udam shayar guama duayam. Ah, voilà, c'est ça. T'as tué quelqu'un et derrière ça. Tu sai. Archi tachis la malchata guarbati. C'est ça en fait. T'as tué un ourdam et puis t'as peur que du coup il vienne faire une représailles. Et tu me demandes à moi de te protéger. Le lendemain. Donc on est en 2000 ou 1999 avant Jésus-Christ. Alors, des ressources quotidiennes sont maintenant... J'ai pas eu le temps de le voir, merci. Bon. Alors, c'est quoi? Un essaim d'abeilles, ok. Ressources pour le village. Ah, ça se prend. Roseau, érable. Et des pots, ah, rien du tout pour le moment, parce que... Malheureusement, on n'a pas de... Je suppose, pas encore d'élevage. Combat au corps à corps. Les gourdins sont des armes rapides qui peuvent frapper plusieurs cibles d'un coup. Les sagaies sont des armes lentes et puissantes qui frappent directement devant vous. Lancez-les pour plus d'efficacité. Maintenir 2 pour... Puis relâcher pour effectuer une attaque puissance. Étourdis les ennemis et leur inflige des dégâts élevés. Si vous êtes équipé d'une arme enflammée, vous la brandirez. Ok. Wenja wantar hupacha udam shanti hasa. Wamash ha waikarsh. Ma wenja chimashta. My marcha sar. Wenja mana. Ulaikwa. Jamais. Chuta. Marita. Wow, ah ouais, ça c'est... Palhu Uda. Palhu Hasmas. Nu, Takar, Masi Hayauda. Ok. Alors, vision d'aigle.
Vaikarsh! Udam Vaikarsh! On va. Ushamarita! On va faire ça. Sufi Matashwati! Voilà, en chien. Voilà, encore. Qui en veut encore? Là-bas. Namaste. Aïe. Voilà, à la tête. Boum, à la tête aussi. Et où lui? Oh, à la tête aussi. Ça c'est fait. Voilà. On les a tous massacrés. Ou pas? Bon, il y en a. Ah, il y en a encore de l'autre côté. Allez, vous. Voilà. Voilà, encore. On va se soigner. Ça c'est bon hein, ça. Et go. Voilà, à la tête. Ah, j'ai été empoisonné. Vous pouvez vous faire empoisonner par les piqûres d'abeilles, les morsures de serpents ou les fumées de mort en bordure de terre. Certains Udam vous lanceront également des bombes. Le poison vide votre santé, mais il se dissipe au bout d'un moment. Il doit bien avoir une recette, quelque part dans ce monde. Touché. Voilà. Regarde, hop, je prends soin de droite. Voilà. Là, il y en a encore un qui arrive. Oh, le malheureux. Je vais la soigner. Encore. Il est où, lui? Je vois rien du tout. Ok. Joignez vos forces à celle de Sayla. Bon, elle n'a pas fait grand chose, mais. Elle est où Sayla? Atteignez le camp Urdam. Alors là, ça va faire mal. Ah, t'as voulu me tuer. En passant, on ira chercher un peu les objets s'il y en a. Alors, est-ce qu'ils vont venir m'aider ou pas? Ça, c'est la question. J'ai pas l'impression, moi. J'ai l'impression que je vais me retrouver tout seul ici. Là, ce qui va se passer. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va ramasser une paire de choses. Voilà. Là-bas, il y a des roseaux. Il y a du monde, hein. Voilà. Alors, attention, il y a du monde. Voilà, ça c'est fait. Merci mon loup. Vous voyez, comme quoi avoir des animaux, c'est bien pratique.
Alors on va aller atteindre ce fameux camp hein, et on va piller tout ce qui bouge et tuer tout ce qui bouge surtout. On va aller prendre les fleurs bleues au cas où. On va passer de l'autre côté. Mat. La chasse. Allez, monte. Tue-le. Voilà, merci. C'est une blague. Voilà, on va dépecer le cerf et après on va aller dépecer les gens. Viande 3, pot de cerf. On n'a plus de place. Ok, bon, c'est pas grave. Là, je vois qu'il y a du bois dur pour nos flèches et compagnie. Il y a du monde là-bas, mais soit. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'objectif. On va aller faire notre objectif direct. Voilà. On va faire ça. Ah, il y a du monde là. Voilà. Alors, il y a où le problème? Moi, j'en vois pas, perso. À mon avis, il va me le dépouiller. C'est bon, on l'a eu ça. C'est bon ça. Voilà, on va dépecer l'ours brun et on va soigner notre ami ici. Voilà. Et on va avancer pour atteindre le camp Urdam. Checkpoint. Ils s'attendront pas à nous voir débarquer, enfin à me voir débarquer par ici, je pense, ou pas. Alors, par où on va passer? Tiens, dans ta tête. Attention, vous quittez la zone d'objectif, mais non. On va aller par là. Hein. On va laisser tranquille tout ça. Attention, il est fou lui. Il s'est barré. Ah, la hyène, elle s'est barrée. Atteignez le camp. Par contre, je sais pas du tout comment je vais faire. Débloquer le grappin. Dans les compétences, dans les confections. Il est où le grappin? Parce que j'ai l'impression là que je monte. Il faudrait que je descende. C'est ça le problème. Si je saute. J'ai l'impression que je vais le regretter. Ça passe. On va continuer à courir comme ça. Ils sont juste derrière. Hein. On peut se le faire. Wow. Discrétion. Alors, lancez des cailloux pour distraire les ennemis et faire du bruit. Accroupissez-vous avec rond, flèche. Pour faire moins de bruit et réduire les risques d'être détecté. Si vous faites repérer, cachez-vous dans la végétation. Pas du tout. Rien de tout ça. Détournez l'attention en jetant des cailloux. Oui. Retraite de l'Estafilade. Lieu découvert. Alors là. Je crois que je suis grillé. Voilà. Ah,
tant qu'on m'attaque pas au corps à corps. Voilà, bon, maintenant on peut. On va se soigner. Lol. Alors là par contre, ça vient de partout. Alors. J'aurais aimé mieux, mais ça va être pire. Ah, ma bébête elle meurt là, c'est pas ça le concept ? Si. C'est bon ça ? Voilà. Alors détruisez tous les arbres. On va passer au gourdin. On va l'enflammer. Et on va tout cramer. Allez, c'est parti. Voilà. On va cramer tout. Voilà. Alors on va cramer tout ce qui bouge ici. Il n'y a pas de demi-mesure hein. Chez moi, je pense que vous avez vu. Vous avez très bien compris qu'il faut parier avec moi. Voilà, on va monter. Et on va cramer celui-là aussi. Voilà. Tout est occupé de cramer. C'est magnifique. Voilà. Ah, attendez. Voilà. Bon bah j'ai un peu raté mon... Dans ta tête. On va éteindre le feu à nouveau parce que je suis occupé de tout faire cramer hein. Voilà mon... Mon loup, il m'a aidé. Et on va aller faire cramer le dernier truc. Parce que il a pas l'air d'avoir voulu cramer celui-ci. Voilà. On va soigner ma bête. Ah, faut tuer les restants. Attendez, attendez. Parce que là... Voilà. Voilà. Il y a encore ou quoi? Il y a l'air. Wow, wow. Voilà. Alors l'assaut des dames, c'est terminé. Vous voyez, on a un énorme contraste par rapport à Hitman que j'ai fait hier, que j'ai présenté hier. Udam Guanta. Udam Mari. Ul Atikwaifa. Appa. Laiwamaya. Shaja. Who winged your marriers? Shaja, palhu uda mari, winja baltasha, guaifamas. Shaus uud dausom. Sana quite a shanchi parishai. Salwa winja marwa.
Machi. Sami Kartici Nafa. Winjayi. 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 Kwarpati. Winja Samsam Soshta. Alors, des ressources quotidiennes sont maintenant blablabla. Me soigner. Winja, les Winja disparus. Appuyez sur pavé tactile pour ouvrir le menu carte. Des Winja aux compétences uniques ont été aperçus pour la dernière fois dans les régions marquées. Parcourez Oros à la recherche de ces habiles Winja et ramenez-les dans votre nouveau village. Ok. On va se soigner hein, parce qu'on a pris cher quand même. Ah d'accord, ok. On les voit ici, donc Karoche le guerrier. Amenez Karoche le guerrier à votre village. Il vous apprendra de puissantes exécutions. Il vous donnera des gourdins de meilleure qualité ainsi que des vêtements d'hiver. Ok. Facile, les Wenja, sauver les prisonniers. Ok. Donc on a pas mal de missions là dans le coin. On voit hein. Alors hop. On passe au dessus. What? Alors on a du bois, on n'a pas d'ardoise, on n'a pas de roseau, on n'a pas de peau de mammouth, on n'a pas assez de population. Ok. Bon, alors au niveau de la carte, nous sommes où? Et on voit quoi? C'est surtout ça le plus important. Feu de camp. Emparez-vous de ce lieu de repos pour avoir de l'XP et surtout un point de respawn. Alors, emparez-vous de ce bûcher aussi. On est où? Ça, c'est toujours compliqué à savoir où on se trouve. Hein. Ouais. Bon, j'ai placé le marqueur. On va aller par là. Vous avez débloqué la recette du stimulant de vitesse. Appuyez sur flèche gauche afin d'ouvrir le menu nourriture pour le voir. Récupérer de la viande et les plantes pour concocter des recettes de nourriture. Continuez à aider Seyla pour débloquer de nouvelles recettes qui vous soigneront en améliorant temporairement vos habitudes. Ça marche, mais bon. Vos habitudes, quoi. Alors, on va aller chercher. Le feu de camp qui est là-bas, Dara. Je dois partir sur la droite. Voilà, ici. Je pensais pouvoir passer le ravin après, mais j'en ai peur que ça n'ira pas. Je me retrouverai bloqué, évidemment, du mauvais côté de la rive. Quoique, j'ai envie de vous dire, hop. What? En plus, je sais pas tirer. Ça, c'est bon, ça. De la viande. Ok. Là, on a de l'ardoise et du bois dur. On va ramasser ça. On va ramasser ça. Ah, là, on a un animal qui est plus ou moins hostile. Mais bon, ça va, il est déjà passé. Encore de l'ardoise ici. Oui. Il va falloir que je m'y fasse à tous ces crafts. Là, pareil. Ok, l'ardoise, ça ressemble à ça. Oh, doucement. Doucement, j'ai quelque chose là. Il est ici certainement lui. Ah, il était là, ouais. Un loup. Tac. Oh, le malheureux. En même temps. Ah, c'est un dol. Ok. En même temps, il y avait qu'à pas m'attaquer. Voilà, on va faire ça. On va passer ici de l'autre. Ici.
Ah, attention. Adol de retour. Il est fou, lui. Il est fou, lui. À l'assaut. Tac. Alors, elle est où, elle? Elle est là. Voilà. On va gérer le problème direct à la chasse. Oh, ça quoi? Attention. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui m'attaque? Tac, normalement j'ai la tête. Ou pas. Il cherche. Ouais, il y a du monde. Alors là, il y a pas mal d'animation dans le coin. Croyez-moi. Il y a du méchant, il y a du... Et il y a de la bébête. À gauche. Ah quoi, t'as mal? On va te soigner parce que... Aïe aïe. Ils sont fous eux. Tiens. Alors attention. Aïe. Raté. Bon. On va se soigner vite fait. Et on a toujours pas débloqué le lieu de passage. On est à quelques mètres, hein. Allez hop, on court jusque là, tant pis, on s'arrête plus maintenant. On n'a plus vraiment le temps et le choix. Voilà. J'aimerais pouvoir avoir la chance de décocher flèche et flèche, vous voyez? Mais là, pour le moment, j'ai pas encore eu le temps. Oh, ici, c'est un superbe spot de... Bon. Merci. D'avoir tué mon sanglier. On va courir, hein, parce que j'ai l'impression que j'avance pas ici. Événement sauvetage, non. Je suis où là? Ah ouais, je suis bien loin quand même, hein. Alors hop, on avance. Ah, une feuille rouge. Ça se prend aussi. Et on va aller faire ça vite fait, bien fait. Le feu de camp. Regardez, hop. Au pire des cas, on prend des dégâts, c'est pas grave. Osef, voilà. Nouveau point de réapparition acquis. Ouais. Mais encore. Récupérer. Ok. Là, il y a quelque chose devant nous. Qui nous voit. Ah, oh. Sacré bête. Ok, on va laisser peut-être comme ça. Eh, hey, je l'ai pas pris, hein. Vous voyez, j'ai bien fait de pas partir et de regarder avant. Comment on fait? Tiens. Ouais, bah bonjour. Et après, parler. Voilà. Chasser toute la journée, Dol, manger notre viande. Plus de viande. Plus de viande. Dol, attaque mes frères, s'il te plaît. Takar, tue ces bêtes. On va soigner la bête. Tiens, ma belle. Tâche de récompense. Ah,
Voilà. Où est-ce qu'on a débloqué le point de TP? Ça, c'est délicat. Hein. Que si jamais c'est pas le cas. Je pense que c'est bon. Quand je vois ici. Feu de camp. Ça a l'air d'être bon, hein. Allumer feu de camp. Voilà, d'accord. Je pense que maintenant j'ai le droit à me TP. Pas. C'est plutôt embêtant et c'est plutôt contraignant. Ah, c'est pas un lieu de TP. D'accord. Bon, mais c'est pas grave. On va se laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi. Si ce n'est pas encore fait, merci à tous. Bye bye.